Et bien bonjour ou bonsoir à tous, ici Lucky, comment allez-vous? Écoutez-moi, ça va très très bien depuis le temps qu'on s'était pas parlé les amis. Aujourd'hui on se retrouve eh bien pour un nouveau top 10 les amis, un top 10 qui d'habitude sont rediffusés pendant les lives de Tizo sur Gaming Live, la web TV de jeuxvideo.com, sauf que tout simplement on a décidé de vous les re-upload. Il y a 10 épisodes les amis, donc chaque jour vous allez avoir un épisode du top 10 et tout simplement aujourd'hui on est parti avec 10 clips. Et on commence en 10ème position aujourd'hui, c'est Rémi USG qui a la AK-47 sur bootleg, il va tranquillement s'allonger, voit des ennemis, tire, il nous fait une magnifique quad feed, Jack la quad feed. Franchement, faut le dire, il l'a pas peiné à la faire, il s'est allongé, les mains dans les poches, etc. Mais surtout, c'est que son 4ème kill de la quad feed correspond au 24ème kill de sa série, donc débloque tranquillement la mob. En tout cas, bravo à toi. En 2ème position, c'est Floz7R, je ne sais pas si je le prononce correctement, en tout cas, il est au Desert Eagle sur Terminal, nous fait 2 headshots, 3, 4 headshots pour la quad feed. On screen, quad feed headshot on screen avec le Desert Eagle doré, si c'est pas la classe ça quand même. Et surtout les vitrations dans le chat hein, en PC on les entend toujours pas crier, mais par contre on les entend défoncer leur clavier. Enfin bref, en tout cas bravo à toi, très très grosse précision. Et donc en 9ème position c'était ce clip. En 8ème aujourd'hui c'est notre ami The Zigzag qui a la K47. Et lui par contre il est sur marée, donc sur code 4 en QG hardcore, il fait un premier kill, deuxième kill sans vraiment viser. Bon là il voit 3 ennemis, du coup il vise, faut pas vraiment faire peur aux ennemis sinon après il vous rush kit etc, ça va être chiant. Enfin bref, du coup il nous fait une 5 feed, franchement très très propre. Et là il va débloquer du coup sa frappe aérienne, la lancer, son équipe prend tranquillement le QG, en plus il va se faire des points etc. Sa frappe touche, 4 ennemis, petite code feed en plus, en tout cas il débloque son hélicoptère, il va avancer, il voit un dernier ennemi et donc le tue tranquillement pour les 10 tués d'affilée. En tout cas bravo à toi. En 7ème position aujourd'hui c'est notre ami Martioul92 qui est sur lockdown. Il va d'abord lancer une petite Semtex pour voir ce que ça fait. Bah ça fait boom hein, on ne savait pas, au moins on le sait maintenant. Il nous fait donc 2 kills suivi d'un autre kill à MK14. Et là ça va être un petit peu la décadence puisqu'il voit plein d'ennemis, il les tue tous parce que voilà hein, c'est un petit peu le but de Call of Duty aussi. Il nous fait 3, 4 kills, 5 kills, enfin bref en total il va nous faire 11 kills. Franchement il la gère très très bien cette MK14 hein. Ils arrivent tous comme ça, il les tue tranquillement. Bravo à toi, donc on skill dans ce clip. En 6ème position, c'est notre ami HS Feed qui est lui sur Uplink. Tomahawk, un premier Tomahawk qui va se diriger vers C. Et là, il y a plein d'ennemis, un deuxième, 3, 4 et 5ème Tomahawk dans les ennemis. Bien placé hein, le truc. Simplement, il va nous faire une 5 feed on screen. Il est arrivé, franchement, très très grosse réaction lui hein, quand même. Il les a enchaînés super vite. Et du coup, voilà, il nous fait une 5 feed on screen. Bravo à toi, magnifique. En 5ème position, c'est NAS Whips qui est lui au Lynx. Et donc, il est sur Octane. Et là, il fait un premier kill. Ah non, ah voilà, non, il a fait le deuxième kill un petit peu plus difficilement. Il voit deux ennemis où il fait une collate. Juste au top, au-dessus, il y a un autre ennemi. Du coup, il nous fait la triple feed. Et un dernier pour la quad feed, très très slow. Mais vous inquiétez pas, ce n'est pas fini. Il va se diriger vers les plaques, hein, puisqu'on est en émission confirmée. Il faut ramasser un petit peu de points. Il fait un autre kill, suivi d'ici une collate pour la triple feed. Et cette fois-ci, un dernier kill pour la quad feed. Vraiment on screen, en tout cas bravo à toi. Il le gère plutôt bien son arma, moi j'aimerais pas tomber contre lui. En 4ème position c'est Pekeno69 qui est à l'Olympia sur Havana. Et ça va être un des full team les plus rapides de l'histoire de la recherche et destruction. Il lance une grenade, nous fait une quad et une collate à l'Olympia. Il a fait deux mouvements avec sa manette, il a tué 6 personnes, hein, c'est pas mal. Donc en gros il a lancé sa grenade au top, hein, il y avait 4 ennemis qui étaient en train de jouer avec des claymores etc. C'est un petit peu dangereux du coup, la quad, et là il se dirige maintenant vers le spawn. Et les deux venaient d'arriver, il nous fait donc une collade franchement un petit peu random mais magnifique, bravo à toi. En 3ème position c'est Neaxia qui est lui sur Nocturne au Ballista, ça va être magnifique comme clip. Simplement il check un petit peu où sont les ennemis, il envoie ici, il fait le kill, il va se mettre derrière le canapé. Il va faire le spot très connu, nous tirer une petite balle et faire une quad en une balle, c'est magnifique. Du coup il va faire une petite réaction magnifique, il va tirer sur son pote et bah il a fait un autre kill aussi hein, parce que il a priori il a pas fait assez de kills pour la journée. En gros bah sa quad déjà est magnifique, il réagit, il va tirer sur son pote et il va faire un wallbang headshot sur le mec qui était derrière sûrement le mur. En tout cas bravo à toi. En 2ème position aujourd'hui c'est Ryan qui est au PTRS, c'est donc sur code 5 sur Airfield, mon Call of Duty préféré, c'est magnifique ce qu'il va nous faire. Il se dirige un petit peu vers middle map, il va peiner un petit peu à faire quelques kills, il fait un premier, deuxième, troisième kill pour la plus 30, c'est déjà magnifique. Mais surtout c'est que ce n'est pas fini, il va nous faire un quatrième kill comme ça. Et là il va sur la petite carte, on voit en haut à gauche qu'il y a masse d'ennemis en face de lui, du coup il s'y dirige, il fait un premier, deuxième, troisième et quatrième kill pour la plus 40, s'il vous plaît, messieurs, dames, plus 40 au PTRS sur code 5, c'est pas fini, il nous fait encore un autre kill, le mec s'était jeté sur lui, et du coup il fait 10 tués d'affilée. Une maîtrise du PTRS, c'est franchement pas évident, parce que là-bas ça tue quand même des tanks dans la vraie vie, enfin bref, bravo à toi Ryan pour cette deuxième position. Et donc en première position, c'est Observe, qui est lui sur MW2, et aussi ça, ça va être un full team, ça va envoyer du lourd. Il fait un premier kill, un deuxième kill, d'un mec qui était AFK au fond de Karachi, non mais qu'est-ce qui lui passait par la tête, on ne sait pas, enfin bref, du coup il fait 2 kills, et là il va essayer d'aller monter au top, puisque sûrement les ennemis sont là-bas. Il va monter avec son couteau, faire un cut, il monte encore un petit peu, il envoie 2, il fait un premier kill pour le quatrième, et un autre
le cinquième kill donc au l'USP. Et là, bah, s'il est en première position, c'est que c'est pas fini, bien sûr. Il va monter tranquillement. Il voit l'ennemi en bas. Il flash 1080 et boum, no scope. Bah dans sa tête, enfin pas vraiment dans sa tête puisqu'il n'y avait pas headshot, mais il a quand même défoncé, il a défoncé, lapidé, exterminé toute l'équipe adverse en très très peu de temps. Il a juste carry la game, bravo à toi en tout cas, j'aimerais bien t'avoir dans mon équipe pour le coup. Et bien voilà, ce top 10 touche à sa fin les amis, j'espère qu'il vous a plu autant que moi il m'a plu de le commenter, puisque moi vraiment ça m'avait manqué et ça me fait plaisir de le refaire, j'espère le refaire en tout cas prochainement. Si toi aussi tu veux participer au top 10 en partenariat avec jeuxvideo.com et Gaming Live, et bien t'envoies ton clip, ton lien YouTube, adresse code xtime@gmail.com. On attend vos candidatures, vos clips, vos masterkills, etc. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir. On se retrouve une prochaine fois, peut-être sur la chaîne Code QG, Code CF, sur ma chaîne personnelle, sur Twitter, sur Facebook, sur Tinder peut-être. Même on ne sait pas, c'est Internet. On se retrouve assez sûr en tout cas. Un gros bisou sur la face droite et par la gauche, bye bye.